beaucoup mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien, c'est un bonheur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo pas du tout prévue, complètement délirante, puisque là je me trouve dans la voiture avec mes hommes. Donc il y a Greg qui conduit, il y a Swan et Néo à l'arrière. Voilà, et on est précisément vendredi soir, donc le premier vendredi soir après la rentrée des classes. Donc nous sommes le 4 septembre, précisément au moment où je tourne cette vidéo, et je ne sais pas où nous partons. Voilà, donc complètement surréaliste. Tout à l'heure j'ai proposé à Greg qu'on se fasse un petit resto en famille, justement pour fêter le premier week-end décompressé après cette semaine de reprise qui n'était pas forcément évidente. Les adorés, il vient de se passer quelque chose de très étrange, il faut que je vous partage ça. La licorne tombe à pic, j'ai proposé à Greg qu'on se fasse un petit resto en famille ce soir pour décompresser de cette semaine de folie. Et Greg m'a répondu, fais ta valise. What? Ok, donc j'ai fait ma valise. Je n'avais pas d'indication, seulement le fait que c'était une valise pour le week-end. Voilà, c'était... Ah, non, je ne te quitte pas. Pas tout de suite. Ah oui, je suis vraiment rassurée, chérie, effectivement, parce que quand même sur le moment, fais ta valise, je me suis un peu inquiétée, j'avoue. Hein. Bon, alors non, apparemment, c'est plutôt pour une surprise. Bon, vu que nous sommes le 4 septembre, je suis née le 7. Bon, voilà. Il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien quand même, hein. Vaguement. C'est possible. En tout cas, du coup, j'ai fait ma valise. Alors, pas tout. Il y a une partie des objets qui ont été mis à mon insu. Je ne sais pas ce dont il s'agit. Je découvrirai ça sans doute quand on sera arrivé. Du coup, on m'a dit ensuite de monter dans la voiture. Donc, ça, c'est fait. Et maintenant, on roule. Et je ne sais pas combien de temps. Et je ne sais pas dans quelle direction. Enfin, direction aussi. Il est possible que tu sois endormi quand on arrive. Ok. Donc, temps de trajet long? Assez long, ouais. Assez long, mais what? Je vais essayer de soudoyer des informations du côté des garçons, c'est jamais. Swan, est-ce que tu sais où on va? Alors, je sais que c'est une surprise, mais c'est une surprise un peu spéciale. Ça, papa m'a dit. T'as des infos? Oui, j'en ai. C'est bon, tu me dis tout? On va où? À vous. On va à un endroit pour toi. Ok. Mais... c'est un Disney. Oui, c'est ça. Mais tu sais où on va ou pas du tout? Alors, je sais pas exactement, mais je sais pourquoi on y est. Alors, on y est pourquoi? Pour ton A... Un joyeux non-anniversaire. Avec 3 jours d'avance, c'est top ça. D'accord. Un joyeux non-anniversaire. Donc c'est un non-anniversaire, anniversaire en avance, mais c'est où? Ça par contre je sais pas. T'es sûr? Dis-moi la vérité. Il me semble vraiment que ça je sais pas. Hein. Tu sais pas? Non, ça par contre je sais pas. T'as l'air sincère, hein. Comme Swan, c'est un soir, il a pas tellement d'infos, hein. Oui, effectivement. En fait, vous l'avez pas mis dans la confidence, c'est ça? C'est dangereux avec Swan. D'accord. Il répète tout. Ok. Donc Swan ne sait pas non plus où nous partons. Et vous non plus, ben, vous allez découvrir en même temps que moi, mes adorés, hein. Donc en fait, Swan, on t'a pas mis dans le secret. Ouais. Ah, attends, je vais peut-être avoir plus de chance du côté du grand. Non. Néo. Je parlerai pas. Mais toi, tu sais. Mais moi, je sais. Moi, je sais tout. Je sais toute la surprise, mais je garde le secret. Un peu de patience, maman. Attends, je vais te torturer. Comment je pourrais te torturer? Déjà, je vais te confisquer ton téléphone. Non, c'est bon, je dis tout, je dis tout. Espèce de lâcheur, voilà. Non, non, non. Bon, toi, tu sais où on va? Ouais, mais c'était la surprise. T'es au courant depuis combien de temps? Un mois? Non, je... Quelques jours. Ça fait quelques jours que vous tramez ça dans mon dos. J'y crois pas. Les canailloux, là. Oh là là. Bon, bah, j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience. Bon, ben on n'est pas bien plus avancé les adorés, hein. On sait juste par Swan que c'est une surprise d'anniversaire. On sait juste par Néo que je suis entourée de traîtres. Je m'en souviendrai. Et c'est tout. Bon bah, on va continuer à découvrir au fur et à mesure. Je vous emmène avec moi bien sûr. Je vous emmène aussi sur Instagram pour celles et ceux qui sont déjà en train de voir les stories au moment où je vous parle, voilà. Et ça y est, nous sommes dans la voiture et nous roulons. Je ne sais pas où nous allons. Les informations que j'ai eues, c'était qu'on allait rouler longtemps. Que... Très longtemps. Vous avez les infos au fur et à mesure, en temps réel. Vous apprenez en même temps que moi quelle est cette destination très étrange. Destination surprise. Ça fait marrant quand c'est pour soi. D'habitude, c'est des destinations surprises pour les garçons. Et là, c'est pour moi, ça me change. Hein. Mais ça a l'air trop sympa. On est sur un...
un blind test pour occuper le temps de trajet et deviner quel est le thème. C'est moi qui ai choisi, j'avoue. Un joyeux non-anniversaire. C'est Alice au pays des merveilles. Oui. Bon, bien sûr, on est sur le thème Disney, vous l'aurez compris. Les garçons sont ravis. Donc là, on est en train de faire les parents contre les enfants. Et qui gagne? C'est nous ouais, qui gagnons quand même. Hein. Yeah. Bon, on n'en peut plus, on a trop faim. Du coup, on s'arrête sur l'aire des Lochères. On ne sait pas du tout où on est là. Il n'y a que Greg et Néo qui savent à peu près où on en est du trajet. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que nos estomacs crient famine. Allez, à table. Bon, on a fait un petit arrêt ravitaillement. J'espère pour vous que ça vaut la peine l'endroit où vous m'emmenez. Parce que du coup... Moi qui voulais manger au restaurant ce soir, j'ai droit aux salades des aires d'autoroute et aux chips. La haute gastronomie. Ouais, c'est ça. J'espère que ça vaut la peine quand même. Mais oui, mais oui. Et puis on roule toujours et on n'est pas près d'arriver apparemment. On est à peu près à la moitié du trajet seulement. C'est long. J'espère que ça sera bien. Bon, mes adorés, vu que la route va être longue, je vais en profiter pour répondre à la question que vous avez posée ce matin, à savoir quels sont nos prochains projets. Vous avez eu pas mal d'imagination. A few moments later. Bon, je sais où on est, mes adorés, ça y est. Ça y est. Bon, on dort tous dans la voiture, donc on va vite aller se coucher. Et ça y est, mes adorés, nous avons fini par arriver. Oui, on est chez Mickey, ça y est. Je vous fais un petit tour de la chambre rapide. Les garçons sont déjà endormis, ils n'en pouvaient plus, on est arrivé super tard. Et nous, on va prendre le même chemin avec Greg. On va également aller au lit, on n'en peut plus. Bon, la chambre est vite, vite présentée. Allez hop, au lit et on se retrouve demain pour partager le parc. Ça va être trop, trop bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu. Wow. Bonne nuit, mes adorés. The next day. Une bonne nuit de sommeil. Je vous partage la super vue que nous avons de notre chambre. Bon, journée nuageuse en perspective, mais au moins il ne pleut pas. On a la vue sur le Tell, la vue sur la montgolfière là-bas au fond et la vue sur le lac. Et pour l'instant, j'ai surtout une belle vue sur le petit déjeuner. Comme on est arrivé fort tard, on a fait livrer le petit déjeuner en chambre. Je crois qu'on va se régaler et du coup on est parti plutôt sur un brunch carrément. Comme ça, ensuite, on pourra aller dans le parc et profiter un maximum avant le prochain resto. Et mes adorés, j'avais pas remarqué, je n'ai pas réveillé encore, mais regardez, ce sont des petites têtes de Mickey pour le pain grillé. Moi, c'est trop mignon. Et bonjour, mes adorés, ça y est. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens? Non, mais allez, c'est parti, on y va. C'est une blague. C'est parti. Avec mon super sac. Et t'es pas sérieux? Tu vas les garder toute la journée, les oreilles? Je suis sûre que non. Oh là là. Oh là là. Allez. Ça y est. Bon, c'est l'invasion. Mais oui, j'ai pris mon petit sac reine des neiges. Il est trop beau, mon cul mini, mes oreilles parfait. Et tout. On va être bien là. Coucou mes adorés. J'espère que vous allez tous très bien, que votre week-end se passe pour le mieux. Bon, mais le nôtre, vous l'aurez compris, il se passe plutôt bien. Trop contente. En plus, j'ai, regardez, tous mes accessoires qui sont venus avec moi. Ce sont les fameux objets dont je vous parlais hier. Objets non identifiés qui ont été placés dans ma valise par mes petits cachotiers. Bon, on est super impatients d'aller dans le parc. Ah ouais, c'est trop bien. Il fait pas hyper beau, mais bon. Ça va. Au moins, dans le parc. Nuage, voilà, exactement. Et donc là, ça y est, let's go. Allez, go. Je vous rappelle que c'est mon week-end anniversaire, donc c'est moi qui choisis les attractions. Allez, let's go. C'est parti. Go. C'est parti. On y va. Alors ça y est mes adorés, nous sommes partis, nous sommes masqués bien sûr. Et nous commençons très exceptionnellement par Walt Disney Studios. Bon, en fait j'ai envie de faire des attractions qui bougent un peu là. Allez, on va voir s'il n'y a pas trop de queue quand même hein. Bon, je vous ai parlé de sensations mais un petit peu de romantisme d'abord. Bon, ça met toute la famille d'accord. Moi j'adore le cadre, l'ambiance, voilà. Et les garçons ils sont tout contents de faire l'attraction évidemment. Ouais. Ça vous va ça? Oui. De toute façon vous n'avez pas le choix.
Allez, go, ratatouille. Mes adorés, ça y est, on est dans le parc. Et où sont tes oreilles alors? J'ai oublié. Mince, ouais, c'est ça. C'est tellement joli à l'intérieur aussi. Nous voici sur les toits de Paris. Ou presque. Et on nous demande de nous taire, vous avez entendu? Silence. Ok. Et voilà, nous voilà dans l'attraction Ratatouille. Avec Gusto qui vient de prendre vie, mais pile au moment où je fais ma story, il s'éteint. Classique. Et nous voici maintenant chez Buzz l'éclair. Et nous allons monter dans le chien qui est là, dans Zigzag. C'est pour faire plaisir à qui ça? Waouh. Oui. Non, c'est pas mon anniversaire. T'en as de la chance. Tu fais des cadeaux d'anniversaire en avance. C'est la chance d'avoir une maman qui fête son anniversaire chez Disneyland. En fait, on a les mêmes goûts avec Swan. C'est bien pratique. Yeah. On se retrouve. Hein. Toi, t'es un peu zéré, nous, ça va, regarde. Ça va très bien, ouais. Ça va, Swan? Mon petit Swan. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour de Zigzag. Et ça y est, changement de parc. Nous arrivons à Disneyland. Bon, c'est la partie que je préfère. Bon, mes adorés, je vous retrouve sans le masque. On a fait une petite pause casse-pot qui n'était pas prévue, hein, je précise. J'avais bien dit ce matin, on prend un gros déj, entre le déj et le brunch, comme ça, ouais, on part toute mais la journée. J'avais un petit creux. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, estomac sur pâte, j'ai faim. Voilà. Donc, nous nous sommes arrêtés, nous avons casse-croûté, et là, nous repartons pour les attractions que je veux faire. Vous êtes prêts? Yes. Alors, on part pour les contes de fées. Yeah. Et ça y est, Swan est son distributeur de bulles pour son plus grand plaisir et surtout pour celui de son frère. T'es content, Néo? C'est une bonne idée. Et ça y est, nous rejoignons le château. Et vous avez vu? Il y a même des bulles devant. C'est petit Swan qui les fait. Oh là là, attaque des bulles. Il est redoutable. Bullman, le nouveau super-héros. Alors, pile au moment où on arrive à hauteur du château, le soleil s'est caché derrière les nuages. On se croirait limite à Halloween, là. Bon, c'est pas grave. On va passer dessous quand même. Ça reste magique. Allez, ça y est. On rentre chez nous, les enfants. J'adore cet endroit. Tellement magique. C'est trop beau. Donc voilà, mes adorés, en haut, ma chambre. C'est trop joli, on est bien d'accord. Trop sympa. Et évidemment, vu qu'on est ici, il faut faire... On va ici. Pour faire plaisir à qui? Moi! Ah mais c'est ton anniversaire en fait. C'est et ça, j'avais pas compris. Aussi. Un peu à moi, oui. J'aime bien cette attraction. Bien sûr, on va dire ça. Allez, on y va, mon chat. Bah voilà. Salut, Queen. Salut, Queen. Évidemment, nous sommes perdus. Non, on n'est pas perdus. On n'est pas perdus, t'es sûr? Alors, eux... Voilà, c'est bon. On a déjà trouvé la chenille. Donc, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Enfin, j'espère. L'idée, c'est quand même d'arriver jusqu'au château. Hein. C'est bon, on a trouvé. Ah, on fait une partie, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y en a quelque part? Hein. C'est bon, on a enfin trouvé le château. J'ai réussi à traîner les garçons dans cette attraction. Elle est juste magnifique. Bon, forcément, c'était pas leur préféré. Mais elle est trop belle. Hein. Vous allez voir finalement les garçons, ça va vous plaire, je suis sûre. Vous allez adorer. Hein. Regardez comme c'est sympa. On est dans un petit bateau avec des bulles et avec papa qui dort là-bas, un peu sur le bord. Il est caché, voilà. Papa aime beaucoup cette attraction visiblement. Parfait. C'est trop mignon. Là, on a Blanche-Neige. Là-bas, au fond, on voit la tour de réponse. C'est toujours... Hé, regardez les garçons. C'est Hansel et Gretel. Ah, on aimerait trop aller dans cette maison-là. Mais sans la sorcière, hein. Et là, c'est la petite sirène. Hein. Oh, c'est trop joli. On arrive à Agrabah, dans la grotte. Tu sais, la fameuse grotte où il y a le trésor, là. Pour rentrer dans la grotte, il faut être un trésor d'innocence. Est-ce qu'il va nous accepter? Oui, on regarde. Est-ce que vous êtes des trésors d'innocence? Oui, bien sûr. Personne ne sait que j'ai mangé le dernier chocolat. Voilà, c'est bon. C'est quoi? T'es sérieux? Oh, regardez le trésor. Merlin l'Enchanteur. Là, c'est le village de la Belle et la Bête.
Et le château, bah le château c'est peut-être celui qu'on voit au loin, mais je suis pas sûre, je pense que c'est plutôt celui de la Belle au Bois Dormant, on va voir. Ça y est, c'est fini. Du coup, voilà. Le château qu'on voyait au loin, c'était bien celui de la Belle et la Bête. Ouais, apparemment. Voilà. On va faire Small World. Et ils sont tous d'accord, hein. Avec des bulles. Encore des bulles. Ras-le-bol des bulles. La 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 la. On est entre la danse Pirates des Caraïbes et le sabre laser de Star Wars. On sait pas trop en fait. Au secours. A few moments later. Et ça y est, la journée se termine. On a bien profité. On vient même de faire le train de la mine. C'était super. Et voilà, fin de notre première journée à Disney. Allez, magnifique hein, en tout cas. Mes oreilles pour le train de la nuit, j'ai 20 000 d'ailleurs. Hein. Et là, c'est quoi le programme maintenant? Disney Village. Oui. Shopping. Oh. C'est bon, ok, je suis d'accord. On y va tout de suite. Allez, chérie, c'est bon. Et il a dit oui, hein. Il est d'accord. Oh, un Thanos de compagnie. Très menaçant. Hein. Retour dans la chambre. Je sais pas ce qui se passe derrière, il se passe des choses très étranges. Vous faites quoi là? Je peux faire agresser pendant un soin de sommeil. Ils sont en forme, hein. Voilà. Dis-moi, ils sont toujours pas fatigués. Donc on est parti faire du shopping, je vais vous montrer ça, mes adorées petites emplettes. Et puis là, nous allons aller dîner. Et je crois que ça va bien tomber parce que tout le monde a trop, trop méga faim. Bon, le petit shopping d'abord. J'ai craqué sur ce joli sweat complètement pailleté. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez. Attends, c'est quoi ça? C'est un Thanos géant. Bon, ça, si vous l'aurez compris, c'est le shopping de Swan. Non, mon sweat à paillettes. Oh là là. Non, tu te pousses. Tu te pousses tout de suite. Oh, non, 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 ma robe. Non, 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 non. Oh là là, le chantier. Oh là là. Le chantier. Et avant que Swan ne la massacre, cette belle robe sur laquelle j'ai totalement craqué, tu touches plus ma robe, attention. Elle est trop belle avec les poids et tout, magnifique. Pousse ta figurine. Donc jolie robe, craquage total. Une robe un peu comme mini en fait avec les poids. Elle est trop belle, trop belle. Mais là j'ai complètement craqué. J'ai hésité quand même hein, parce que je me suis dit bon, là on arrive dans l'hiver, je sais pas si je vais la mettre tout de suite, mais Greg m'a dit attends, tu craques, allez on la prend, on verra, tu trouveras bien une occasion pour la porter. Je sais pas si on a bien fait de venir en famille chérie finalement. Hein? Le petit week-end en amoureux, ça aurait pu être sympa aussi. Ouais ouais, c'est ça. Fais attention mini Thanos là. Parce que sinon la prochaine fois tu restes à la maison hein. On part sans toi chez Mickey la prochaine fois. Oh là là. Et ça y est, mes adorés, nous voilà revenus du restaurant. C'était très bon, oulala, doucement. Doucement, coquin. On s'est régalé. Joyeux anniversaire. Ouais. Je sens la moquerie quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, c'était très sympa le coup du gâteau. J'avoue que j'étais un peu surprise. C'est un cadeau. Ouais, bien sûr. Non, mais c'était très bien. Franchement, très très sympa. On a passé un très bon moment. Là, on va se calmer, se détendre. Et on va aller faire un gros dodo pour être en super forme demain pour retourner dans le parc. D'abord, je m'épuise. Chérie, prochain week-end d'anniversaire en amoureux. C'est sûr. Bon, mes adorés, sur ce, on va au lit. Enfin, on va essayer se reposer, pouvoir profiter encore un max demain. Souhaitez-moi bonne chance, là. The next day. Bien, le petit déj, c'est fait, les valises, c'est fait, et nous quittons bien sûr la chambre. Alors on va quand même profiter encore un peu du parc avant le retour à la maison. J'ai mis du coup, tadam, bonjour, le sweat d'hier. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Salut. Au secours. On a rechargé mon truc à bulles. Ah, la bonne nouvelle. Qui c'est qui a eu la joyeuse bonne idée de faire ça? Papa. C'est Swan. Oh là là, alors qu'on l'avait enfin vidé hier et qu'on allait enfin avoir la paix. Parfait. Merci chérie. Bon, et du coup, pour aujourd'hui, regardez ce que j'ai trouvé.
La petite merveille quand même. Assortie à mon sweat. Bah oui, bien sûr. Donc elles sont argentées et dorées. Trop belles avec... Alors je sais pas si vous voyez bien, je rapproche. Regardez ça. Le château, bien sûr, qui est juste sur le dessus. Non mais elles sont trop belles. Trop belles pour ma petite collection. Et donc aujourd'hui, ça sera celle-là. Bon, je ne sais pas encore ce qu'on va faire dans le parc. Là, on va voir au fur et à mesure. On va s'éclater avec une bulle. Oui, voilà. En tout cas, on essaie déjà de quitter la chambre. Ça sera déjà une première étape pour nous. On va essayer de profiter un maximum des dernières heures avant le départ. Parce qu'avec 5 heures de route et l'école demain matin, bah forcément, on va pas pouvoir partir trop tard. Mais on va s'éclater un max. Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire là? On va s'éclater. Bon bah on a failli aller dans le parc. Ouais. Failli seulement. Hein. Voilà. Évidemment, nous avons été pris en otage, Greg et moi, pour une session de shopping Lego. Et nous repartons dans le parc. Yeah! On profite vraiment, mais à fond. Fond des dernières minutes là. Oui, dernier jour à Disney, mais on profite un maximum. On va faire une visite immobilière. Oui. On a vu une annonce pour changer de maison. On va visiter, on va voir. Ouais, ça a l'air sympa, non? Ça vous dit, on déménage ici, les garçons? On y va. Allez. On va visiter déjà, pour voir. On va voir s'il y a des belles chambres pour vous. Voilà. Bah, ça y est, mes adorés. On est sur le chemin du retour. J'ai quand même essayé d'emmener un maximum de personnages avec moi grâce à ce filtre. Mais ça y est, c'est la fin du week-end. C'était court, mais c'était super. Nous voilà repartis pour 5 heures de trajet. Et oui, c'est pour ça qu'on est parti assez tôt quand même dans l'après-midi. Vu que demain, bien sûr, il y a école. Allez, on n'y pense pas, on se concentre sur la route. Et ça y est, mes adorés, nous voilà rentrés. Oui. Et voilà. Hey, on est rentrés. Alors, enfin. Oh. Oui, voilà. Oh. Petite... On serait bien resté, hein. Oui, on serait bien resté, ça c'est sûr. Petite précision, on ne tourne pas cette séquence le soir du retour, parce que clairement, avec les 5 heures de route, l'école le lendemain. Non, on est rentré, on est vite. Ouais, dormi clairement. Préparé pour le lendemain, voilà. Et hop, tout le monde au lit, hein, on n'en pouvait plus. Mais c'était trop. C'était génial, c'est un week-end. Ouais, c'était génial. C'était vraiment un week-end au top. Ouais. Oui. On a vraiment passé un très très bon moment. Il n'y avait pas trop de monde. Et voilà, c'était génial. Génial. Oui. Donc du coup, maintenant je saurai que quand Greg me dit tu fais ta valise, c'est bon signe. Voilà, c'est une bonne nouvelle et je peux le faire. Et franchement, c'était trop bien. J'ai adoré cette surprise. On est content que c'était des plaisirs. Vous m'avez bien eu tous les deux, non? Les deux là. Hein, les deux. Heureusement, Swan, c'est bien fait, je pense, de ne pas le mettre dans la confidence parce que, bon, n'est-ce pas? Bien sûr, il aurait tout dit. Swan, notre petite passoire. Petit cœur. Alors mes adorés, j'ai encore autre chose à vous partager. Bien sûr, avant de monter dans la voiture, j'ai fait un dernier petit tour dans la boutique de l'hôtel. Oui. Donc j'ai ramené encore deux petites merveilles. Oui. Je vous montre ça. J'ai craqué sur ce joli verre, trop mignon, avec Pua, vous savez, dans Vaiana. Oh, il est trop chou, franchement. Alors il existait aussi en mug et en bol, mais je suis restée très raisonnable. Je ne suis revenue qu'avec le verre. Et par contre, j'ai pris ce mug Fantasia, trop joli. Le mug, bien sûr, je vais vous le partager sur Instagram comme tous les matins, mes adorés. Je sais que ça vous aide à bien démarrer la journée avec une petite musique entraînante. Comme ça, ça nous fera un petit peu de nouveauté. Bon, on s'arrête là pour cette vidéo. Un joli souvenir du coup de mon week-end d'anniversaire. C'était vraiment trop bien. Hâte de repartir. C'est qui prend un an de plus bientôt? Bon bah sinon on part pas. Pourquoi non? Tu dois devoir ranger ta chambre. Range ta chambre. Oui, toi d'abord tu ranges ta chambre, puis après on repart. Un gratteur. Oh bah chez Ecoland. Voilà, Ecoland. Ecoland. Trop bien. Bon, en tout cas c'était super. Mes adorés, on espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo vraiment absolument pas prévue, parce que je n'aime pas où je partais. C'était la surprise. Voilà, c'était la surprise, mais du coup ça permet de garder un souvenir et de vous partager tout ça. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici la prochaine vidéo, on vous fait plein de gros bisous. Bye team. Bye bye. Bye bye. Il est derrière, regarde. Je ne voyais plus, coquin. Bye bye mes adorés. Bye bye.